Salutations tête de neige, je suis le chef et bienvenue dans les lectures du chef. Ouais, ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu, parce que j'avais autre chose à foutre. Mais là, c'est bientôt la rentrée, donc je me remets aux lectures du chef. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Et on commence tout de suite la sélection du jour avec Awaken de Itori Renda chez Kiun Edition. Qu'est-ce que ça a l'air pas mal? Y'a une girafe? Ouais. Un mal étrange frappe le Japon. Un parasite inconnu transforme les personnes infectées en monstres difformes assoiffés de sang. Homme à tête de girafe, fils serpent, tout est possible. La rumeur veut que le gouvernement cherche à cacher la réalité du danger à tout prix, quitte à faire appel à une brigade privée réunissant scientifiques de génie et professionnels de combat. Kanata, laissé un peu motivé par les études, était loin de penser qu'il se retrouverait lié à ces incidents tragiques, mais ses aptitudes hors du commun le placent au centre de toutes les intentions. Il est capable de dépasser les capacités visuelles humaines et de voir ce que nul ne peut détecter. C'est un awaken, un éveillé. Et qu'il le veuille ou non, le voilà impliqué dans une lutte effrénée contre un ennemi invisible. Ah, qu'est-ce que c'est palpitant? Alors là, je suis palpité. Ah, mais d'une palpitation extrême. Oui. Bon, sinon, sérieusement, que dire de ce Prometheum The Break? Oui, j'ai un accent anglais de merde, comme d'habitude. Eh ben, c'est pas mal, c'est sympathique à lire, voilà. Bon, c'est encore une énième série qui débarque sur le marché français, qui est un peu dans cette mouvance, je pourrais pas comment l'appeler, en fait. Tu sais, il y a plein de... Cette année, même dans les lectures de chef, tu verras si tu les remettes, il y a plein de séries qui arrivent où, en fait, c'est... le monde est normal. Et puis, tout d'un coup, il y a un truc surnaturel, extraterrestre, ou maladie, un truc alien qui arrive, et tout d'un coup, le monde est chamboulé, les ennemis arrivent, on ne sait pas d'où, voilà. Du coup, on se retrouve avec un héros aux capacités spéciales, qui, grâce à ses capacités spéciales, va pouvoir faire face à la menace. Mais bon, il va être obligé de faire face à des choix moraux cornéliens, genre attention, c'est ton ami, mais en fait, elle est infectée, donc il faut la tuer. Ou alors, c'est... Où est l'ennemi, en fait? Ce côté un petit peu parano qu'il y a, genre un peu... C'est un peu ça, SNK aussi, dans un certain sens, dans le délire. Mais, c'est cette espèce de mouvance-là, cette mode-là de manga qui se ressemblent un peu tous, finalement, si tu vois ce que je veux dire. Après, j'ai bien aimé le délire des mecs à tête de girafe ou à tête de serpent ou à tête de n'importe quoi. C'est pas mal, parce que j'aime bien ce côté horrifique dans la culture asiatique. C'est qu'en fait, l'horreur chez eux, c'est pas juste des monstres à grandes dents avec des griffes qui font grou-grou, c'est plutôt des trucs grotesques. Mais c'est tellement grotesque que du coup ça fout les jetons, c'est dérangeant. Et là c'est un peu ça, tu pourrais dire ouais un mec qui se balade avec une tête de girafe, c'est rigolo, ça fait marrer. Bon, en fait non, ça fout un peu les jetons. Ouais, même il y a un moment où il y a une fille en fait, le parasite qui lui rentre dedans et en fait ça fait une grosse tête d'elle-même derrière son corps. On dirait un peu une petite araignée avec des doigts en guise de patte, c'est absolument immonde. Et c'est assez sympa à voir. Enfin quand t'aimes bien un peu le côté un peu horrifique du chouette, ouais. Bon après c'est plutôt bien foutu, hein. Il y a du suspense, de la tension, les personnages font pas trop mal, j'aime bien, ça va. Mais bon, après, ça reste finalement assez classique. Donc, mais ça se laisse lire, donc c'est quand même sympa. Donc, Awaken, voilà, en plus, ça finit sur un cliffhanger pas mal. Donc, j'attends de voir la suite, hein, pour juger. Mais pour l'instant, ça se regarde. C'est pas un truc exceptionnel, mais c'est pas mal. Voilà. Et on continue avec Assassin chez Kumiku Edition par Hirohisa Sato. Ouais. À la suite d'une sombre affaire, Itomi a perdu son mari et se prostitue pour pouvoir élever son fils Shinsuke, 10 ans. Malheureusement, un soir, Itomi est froidement abattu dans son appartement sous les yeux de Shinsuke. Celui-ci échappe de justesse à la mort grâce à l'intervention de la jeune et mystérieuse voisine, Mademoiselle Suzuki, qui est en fait une tueuse professionnelle aussi discrète qu'efficace. Elle recueille et protège le petit garçon, mais très vite, il se retrouve pourchassé par la police pour une raison inconnue. Leur cavale commence et la situation est loin d'être évidente pour Suzuki, peu réjouie à l'idée de s'occuper d'un orphelin encore traumatisé parce qu'il vient de lui arriver. Bon, avant toute chose, le gars, il a pas peur, hein, le gars qui a pondu ses histoires. Il a pas peur de se prendre un procès au cul par Luc Besson, le mec, hein. C'est un peu le scénario de Léon, hein. Avec Jean Reno, Nathalie Portman, Gary Oldman, tout ça, hein. Parce que je suis désolé, hein. Une petite fille qui voit sa famille décimée et qui est recueillie par le voisin qui s'avère être un tueur professionnel, poursuivi par des flics ripoux, c'est complètement le scénario de Léon, hein. Attention, hein, quand même, hein. Là, c'est un peu grillé, là, hein. Mais mis ça à part, ça reste une œuvre qui est pas mal du tout, hein. Pour un premier tome, j'ai trouvé ça vachement captivant, vachement intéressant. Parce qu'on a des personnages bien travaillés, bien se... Eh bien approfondi, ça j'aime bien moi ce genre de truc, oui. Bon évidemment il y a le côté un peu thriller, un côté un peu suspense, un côté un peu qu'est-ce qui va se passer, oh là là, pourquoi, hein, pourquoi les flics pourris ils ont après le gamin, qu'est-ce qui s'est passé, on sait pas encore, donc du coup ça c'est intéressant déjà de savoir qu'est-ce qui va se passer, donc il y a un bon suspense, c'est cool ça. Mais le vrai point fort du titre pour l'instant je pense c'est surtout le côté humain, le côté, bon j'ai pas dire tranche de vie, mais le côté comment dire, un peu drame, un côté... Voilà, ces deux personnes qui se rencontrent, il se passe quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? T'as d'un côté le gamin qui est complètement paumé, complètement traumatisé parce qu'il a vécu et qui essaye de se rattacher, un peu trouver une nouvelle figure maternelle dans la tueuse qui l'a sauvé et qui l'a recueilli, tu vois. Et de l'autre côté, t'as la tueuse qui se dit merde, je me suis embarqué dans une histoire à la con, je vais pas pouvoir me débarrasser du gamin. Et qui, au fur et à mesure, essaye quand même, malgré elle,
commence à trouver un peu de sentiment pour le gamin, de s'attacher au gamin. Donc il se passe quelque chose, c'est assez sympathique de les voir dans leur petite... dans leur petite escapade en fuite comme ça, il se passe des scènes assez sympas. Donc c'est plutôt bien écrit, c'est plutôt subtil, c'est plutôt intelligent, donc j'aime bien. Puis les quelques scènes d'action qu'il y a sont pas mal du tout. Bon après tu sens au fur et à mesure qu'il lit le machin que en fait elle va plus ou moins former le gamin à devenir un tueur aussi. Donc on revient un peu à ce que je disais, ça ressemble un petit peu à Léon. Mais Léon c'est un très bon film, alors quitte à piquer l'histoire, autant piquer l'histoire d'un truc vachement bien. Donc voilà, Assassin, je te recommande, c'est cool, c'est chez Comico Edition, ça a l'air cool, j'espère que je pourrai voir la suite. Et on termine avec mon petit coup de cœur de cette émission, hein, Golden Kamuy chez Kihoon, par, merde j'ai oublié le nom encore, Satoru Noda, chez Kihoon Edition. Ça c'est vachement sympa. Ouais. Sayashi Sugimoto est une véritable légende de la guerre russo-japonaise du début du XXe siècle. Surnommé l'immortel, il a survécu aux pires batailles menées dans les régions les plus sauvages qui soient. Mais quand le conflit se termine, il se retrouve seul et sans le sou. C'est alors qu'il apprend l'existence d'un fabuleux trésor de 75 kilos d'or accumulé par les Ainu, peuple autochtone vivant en harmonie avec la nature. Hélas, le magot a été volé, puis caché par un homme désormais enfermé dans la pire prison d'Hokkaido. Les seuls indices menant au butin sont de mystérieux tatouages inscrits sur la peau de criminels évadés. Pour Sugimoto, la chasse au trésor est lancée. Cependant, seul, il a de chance de s'en sortir. À peine sa quête commencée qu'il manque de se faire bouffer par un ours brun. Il ne doit la vie qu'à l'intervention providentielle d'Ashirpa, jeune indigène lié au propriétaire légitime du butin. Il décide de faire équipe pour affronter les nombreux dangers qui les guettent sur la route de l'or des Ainu. Ouais. Et ce titre est vachement bien. Vachement bien, pourquoi? Parce que déjà, c'est un petit peu un western d'aventure à l'ancienne, mais japonais, qui se passe au Japon, hein, parce que le coup, l'ancien soldat d'une guerre entre les machins bidouchouettes qui aide plus ou moins une indienne du coin à trouver un trésor caché par son peuple, truc comme ça, bon, ça c'est carrément le délire des westerns d'aventure à l'ancienne, tu vois. Donc ça c'est cool déjà. En plus, il y a un petit côté documentaire, historique, tout ça, qui est tout à fait sympa, genre par exemple, tu savais qu'il y avait une guerre entre les Japonais et les Russes au début du XXe siècle, toi? Bah moi je le savais pas, donc j'ai appris un truc, donc là je suis content, hein. En plus on découvre un peu les us et coutumes traditionnels du peuple Ainu que je connaissais pas non plus, donc voilà, j'ai encore appris quelque chose, hein. En plus il y a un petit côté beer grill, c'est tout, ils t'apprennent à faire des collets pour choper des lapins, poser des pièges, chasser de l'ours, tout ça. Il y a un petit côté survivalisme dans la nature qui est tout à fait sympathique aussi, donc c'est assez riche, j'aime bien. Et l'histoire est sacrément cool, hein. C'est vraiment de l'aventure, il y a des péripéties, il y a des trucs, et les personnages sont assez intéressants, notamment le héros que tu vois que c'est vraiment un mec, un foudre de guerre comme on dit, le gars c'est un gros survivant, un gros bâtard, un gros badass, mais il a une petite histoire sympathique, genre déjà toute sa famille elle a cramé, enfin elle est morte de la pneumonie, donc il a cramé sa baraque, il s'est dit bon moi je me casse, voilà, il y a sa fiancée qui s'est mariée avec son meilleur ami, du coup c'est le bordel, voilà, ça c'est intéressant, en même temps t'as la fille qui essaye de un peu venger son père tout en préservant le patrimoine de son peuple, il se passe des trucs sympas, il y a des tollards, il y a des complots militaires, des pourris. Ah c'est cool, c'est cool. Bon en plus les dessins ils déchirent leur race, hein, moi je kiffe, déjà quand ils dessinent les ours bruns et tout, c'est trop stylé, voilà. Bon voilà, donc Golden Kamuy ça sent le bon vieux dans l'esprit western à l'ancienne d'aventure, super stylé, mais un peu un petit côté pulp aussi du coup, vachement cool. Donc voilà, donc je comprends qu'il y a eu plein de prix sur ce truc là parce que c'est vachement bien écrit, ça parle d'une période bah, qui est assez méconnue du coup, qui est assez très peu exploitée en manga, en tout cas moi j'en ai jamais vu là dessus, donc j'apprends des trucs, tu t'éclates, c'est cool, voilà, donc je te conseille d'acheter Golden Kamuy parce que c'est de la bonne cam, voilà, et j'ai très hâte de voir la suite parce que ça c'est bon, j'espère qu'ils feront un anime avec parce que ça vaut vraiment le coup, voilà. Ouais. Voilà, c'est tout pour cette édition de Lecture du Chef. Hein, si t'as déjà lu les bouquins que j'ai présentés, bah tu peux balancer ton avis en commentaire ou balancer ce que tu veux en commentaire. Voilà. Et moi maintenant, je m'en vais. À bientôt pour la prochaine édition. Oui.